La présence de Vendongen à Deauville, 1913-1963, correspond aux 50 années qui ont été 50 années de l'âge d'or de la caricature. Le caricaturiste affichiste qui relance Deauville en 1912, c'est Sem. Et puis, dans les années 60, un grand caricaturiste va travailler beaucoup sur Deauville et on trouve encore ses toiles à l'hôtel Normandie, il s'agit de Six. J'ai envie de dire de Sem à Six, un certain nombre de caricaturistes vont représenter Vendongen. Vendongen qui est le bonheur du caricaturiste, parce que vous savez, dans une caricature, c'est comme une imitation, il faut trouver des choses faciles à représenter. Vendongen, une longue silhouette, un béret, une barbe, une pipe, et on a compris qui il était. C'est la raison pour laquelle il est aussi présent dans les caricatures comme une espèce d'emblème qui incarne Deauville, le Deauville de ces années 1913-1963.